no gates of pearl. He there were no streets of gold. If there was not the other world and the land where we won't grow. Bonjour à tous, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc nous sommes le groupe Unconscious Harmony, moi je suis Max, chanteur-guitariste. Je suis Sista Flo, chanteuse. Et Roland, guitariste-chanteur. Alors, Unconscious Harmony, pourquoi ce nom ? Est-ce que ça a une signification particulière ? Ouais, complètement. En fait, on n'avait pas trop de nom au départ, on s'est retrouvé avec Roland, il y a une petite anecdote, à deux, on voulait faire de la musique, des compositions avec des loopers, des guitares et chanter. Et puis très rapidement, des gens nous ont rejoints comme le bassiste et puis Sista qui est arrivé une semaine après. Et on s'est rendu compte qu'il y a une osmose, une harmonie qui se crée autour de ça. Et après est arrivé un clavier, les cuivres et puis les derniers en date, donc trompette, trombone et le batteur. Et on se rend compte que dans notre façon de travailler, dans la façon de composer, c'est assez intuitif, les choses se font assez facilement. Donc voilà, le Unconscious Harmony, qui est aussi le titre de trois de nos chansons, partie 1, partie 2, partie 3, s'est imposé de lui-même en fait. Alors justement, comment est-ce que vous vous êtes tous rencontrés et comment avez-vous eu l'idée de jouer ensemble ? Alors pour la plupart on se connaissait déjà depuis un certain nombre d'années par des biais différents, alors Roland et Max notamment par la voix professionnelle et qui jouaient depuis de nombreuses années tous les deux. Après moi j'ai rencontré Roland dans le cadre privé et puis finalement il m'a dit bah allez viens on fait un groupe, c'est sympa, donc rejoins-nous, donc voilà. Et puis ça s'est un petit peu fait comme ça finalement, tous les uns avec les autres, des rencontres un petit peu comme ça, inopinés, et puis qui ont créé une belle histoire par la suite, quoi. Et alors, vous êtes un petit peu plus de 8 dans votre groupe, avec presque autant d'instruments différents. C'est pas trop compliqué de jouer ensemble ? Non, chacun trouve sa place, justement, c'est encore une fois l'harmonie de ce groupe, c'est que chacun trouve sa place, il n'y a pas de gens qui veulent passer au-dessus des autres, chacun arrive à trouver l'élément qu'il a envie d'apporter, et surtout, le maître mot de notre groupe, vraiment, c'est que chacun se sente heureux et qu'il sente qu'il a une pierre à apporter à l'édifice. À partir de ce moment-là, si la personne se sent bien et sent qu'elle apporte quelque chose à notre musique, eh ben, nous, c'est juste ce qu'il nous faut pour que ça matche et qu'on puisse jouer ensemble en fait. Donc les 9 personnes qui composent le groupe à l'heure actuelle en tant que musiciens aujourd'hui trouvent tous leur place dans toutes les chansons, il n'y a pas de souci. Et on a même encore un manager qui est venu de lui-même aussi nous proposer ses compétences. On a aussi une graphiste à Paris qui nous a proposé ses compétences et elle faisait partie intégrante du groupe. C'est elle qui nous a créé ce logo d'ailleurs. Voilà, et elle a apporté à elle sa façon artistique d'apporter encore une fois une pierre à l'édifice et à cette harmonie encore une fois. Et justement, ce logo, qu'est-ce qu'il signifie ? Alors, qu'est-ce qu'il signifie ce logo ? On peut voir deux personnes qui s'enlacent, donc un couple, a priori, qui se retrouvent au milieu d'une nature luxuriante, deux arbres, en l'occurrence, ce sont les cheveux de la dame qui compose l'arbre. Donc pour nous, l'arbre de la vie, c'est quelque chose, ça représente la nature, et ce couple représente l'amour et tout ce qu'on peut imaginer comme lien entre deux personnes et toutes les personnes, bien évidemment. Dans votre musique, il y a beaucoup d'instruments assez jazzy, avec une influence un petit peu jazz, mais malgré tout, vous êtes un groupe plutôt de reggae. Donc comment est-ce que vous êtes arrivé à cette alchimie ? C'est une histoire d'influence, en fait. On avait chacun nos propres influences, justement. Et donc c'est vrai qu'on a des instruments à tendance un petit peu jazzy, mais c'est surtout une sonorité qu'on cherchait, en fait, hein, surtout une clarté dans le son. Au final, ce qui nous rejoint au point central, c'est le reggae. Mais on a des influences, on va voir ce soir, hein, mais notamment en rock, hein, donc qui se marie de manière souvent difficile avec le reggae, mais qui pour nous sont très présentes, des influences ska, des influences dub, et même des influences électro sur certains morceaux. Mais effectivement, ce qui nous a tous rejoints, c'est ce reggae, cette vibration qui anime notre cœur. Et il y a des artistes qui vous ont influencé plus que d'autres ? On pourrait citer, bon, ça fait faire parfois des grosses références, hein, mais moi, en tout cas, dans ma façon de voir la musique, Patrice Drop, hein, donc un groupe de reggae néo-zélandais qui m'a beaucoup influencé sur la vision de la musique. Après, qu'est-ce qu'on pourrait citer encore comme influence ? C'est tellement hétéroclite, il y a de tout. Voilà, il a des groupes de reggae, mais on va dire voilà, de façon très, très classique, Bob Marley. Mais en même temps, on a Noir Désir, par exemple, qui est un groupe français de rock qui nous lie énormément.
Après, on écoute tous de la musique, on écoute du hip-hop, on écoute de l'électro, on écoute du jazz, du classique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent dans cette musique. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on n'a pas une influence. On a des dizaines, voire même, peut-être même plus d'influences qui composent aussi tous les éléments du groupe. Et du coup, tout ça donne une alchimie, une musique qui nous appartient et qui est notre signe fort quoi, d'Unconscious Harmony. J'ai écouté vos morceaux et souvent vous chantez en anglais. Pourquoi ? Oh, alors ça c'est une question un peu difficile. Difficile et pas forcément, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de distinction dans le choix de la langue en fait, c'est ce qui va s'imposer à l'écriture. En fait c'est la façon dont Max ou Sista ont envie d'écrire qui font que c'est une langue ou une autre en fonction de ce qu'on a envie de faire passer. L'anglais est plus dynamique au niveau de la dynamique des mots, le français est plus compréhensible, donc voilà, c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire passer comme message. Et ce soir vous jouez au bar l'International, comment vous vous sentez ? Bien, on est content, ouais, ça a l'air d'être super sympa. C'est la première fois qu'on y joue, on a joué dans pas mal de bars autour, le Bistrologue, l'Évasion Bar, on a tourné pas mal. Ça a l'air d'être bien sympa, il a l'air d'avoir une bonne ambiance, donc on est super content, vraiment. Et comment vous vous êtes retrouvé à jouer dans ce bar ? Ah, alors ça, c'est le dixième élément, Fred, qui s'occupe de faire pas mal de promos, et donc il est en recherche énormément de salles, de festivals, de partenaires. Et voilà, et on met aussi un point d'honneur justement sur les partenariats, parce qu'on joue des fois dans des salles ou pour des causes, des associations. On nous a demandé encore de jouer là cet été pour les associations ELA par exemple, ou des associations pour la mucoviscidose. Donc voilà, on aime bien aussi associer le nom de notre groupe à des causes qui nous tiennent à cœur également. Mais là, ce soir, c'était juste une rencontre entre Fred, donc notre manager, et le patron du bar. Et est-ce que vous avez d'autres projets ? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter par exemple ? Pourquoi pas un petit album, ça serait bien. C'est un petit peu un objectif qu'on a depuis un long terme, mais disons que ça prend un peu de temps à se construire. Bon, il faut aussi des moyens, donc petit à petit, on y arrive. Et après, ce qu'on pourrait nous souhaiter, c'est de continuer à donner cette énergie positive dans le plus de lieux possible, à Toulouse et ailleurs. Et donc voilà, pouvoir transmettre cette énergie positive qui nous anime tous les jours. Vous avez d'autres dates de prévues déjà, ou est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver ? Alors de mémoire. Là surtout ce qu'on peut nous souhaiter c'est le prochain tour du Battle of the Band à Toulouse. Donc on va jouer au Rex, on attend notre date justement. C'est vraiment le gros événement à venir. Hein. C'est la demi-finale du Battle of the Band à Toulouse. Et puis sinon on est en attente pour une date un petit peu dans des bars du coin. Là on sait qu'on va être programmé, on n'a pas encore les dates. Mais c'est vrai qu'on a un peu tout misé sur le. Voilà, on a le Puy de Désert aussi le 11 juin, donc on s'exporte un peu dans le Gers. Après on a pas mal de choses un petit peu au chaud aussi pour quelques festivals cet été, mais voilà, tout ça c'est en train de se construire actuellement. Donc voilà, suivez-nous sur notre Facebook et on vous livrera toutes les prochaines dates à venir. Justement, comment est-ce qu'on peut vous écouter sur internet ? Alors vous avez le SoundCloud donc Unconscious Harmony, Facebook également, où vous pouvez trouver des vidéos et des liens. YouTube maintenant, YouTube avec la vidéo du Battle of the Band, le premier tour au sein des 5 qui est disponible sur YouTube, tout à fait. Qui est une jolie vidéo d'ailleurs. Et paraîtrait-il qu'on pourrait nous voir sur Instagram aussi maintenant. Paraîtrait-il. Mais moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas trop, l'histoire des photos, tout ça, voilà. Mais Instagram effectivement depuis peu de temps. Mais merci beaucoup et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.